On se retrouve pour un petit fanart. Donc de dessin fait par Baptiste Drosin. Apparemment, bah, peut-être un français. Hein, donc coucou à toi si tu passes par là. Ces fanarts nous ont été envoyés par notre cher admin Chatty. J'en ai vu que très peu. Je sais juste que certains ont été numérisés et d'autres non. Ouais. Et donc c'est des dessins. Par contre, il n'y a pas que du Disney, il me semble. Chatty me l'a bien précisé. Mais bon, ça, ça passe, hein, y a pas de souci. Et c'est voilà, donc ça va peut-être être des trucs un peu tristes d'après ce que j'ai compris sur si certains Disney dans la vraie vie où se passait mal. Alors c'est parti, on commence par... Oh, j'ai petit biscuit. C'est petit biscuit ou le Père Noël. Le donc Père du Noël. Coup, c'est pas du tout Disney. Non. Mais ouais, ou petit biscuit parce que ça peut être représenté. Donc oui, par rapport au fait que... Qui c'est ça? C'est le Père Noël. Non mais là... Ah, c'est un lutin. Ah, dans un glace. Lutin. Ouais. Bah c'est pour montrer que le pôle Nord a... Eh bah ils font, oui, voilà, là, c'est le réchauffement climatique, donc du coup... Ah, on part The Batman. Donc voilà, ça va être son pseudo. Ouais. Bah oui, c'est que le Père ça Noël, va être triste. Ça fait un peu du coup Rose et Jack, la référence à Titanic. Ah oui, bien joué, voilà. Bien joué. Avec le bateau, la carte. Mais c'est vrai. Bah ouais. Bah ouais, avec le glaçon et... Bah ouais. Bon, comme ça risque d'être triste, on va mettre ton oreille. On laisse ou pas? Oui. Laisse-nous. Ouais, vraiment. Ça manque de couleur quand même. Ah, ta robe rend sympa. Ah. Alors attends, Gaston a piqué la bête. En fait, c'est genre... bah, c'est parce qu'on fait des expériences sur lui. Sur les animaux. C'est Marc et Ben. Non, animal fait... expérience. C'est rigolo. Bah ouais. Enfin, c'est rigolo. C'est rigolo dans le truc. Parce qu'ils ont choisi non, Gaston, mais l'idée est bien pensée, quoi. Voilà. Ah, mais c'est bien. C'est ça. Parce que ça nous fait... Mais la nous... tête de Gaston est pas mal. Ça nous fait nous rendre compte que... Mais il y a une bonne patte. Hein. C'est ouais. Une patte incroyable. Hein. Ouais. C'est vraiment un style... Ouais. C'est un mec, il a sûrement, il est peut-être très connu, il a peut-être été très loin, mais il peut aller loin. C'est une patte incroyable, hein, c'est vrai. Hein. Ça nous fait rire parce qu'on connaît les persos, mais en même temps, ça dénonce quelque chose de vrai. Donc quelque part, c'est pour montrer votre magie, c'est beau, mais oubliez pas que dans le monde, il se passe des choses horribles. Mm-hmm. Donc c'est un beau message que va faire passer ces dessins et cette vidéo, du coup. Suivant. Oh, ah, désolé, princesse. La chasse, non. Désolé princesse, dis-nous, vas-y. Et qui est le chasseur? Donc on peut apercevoir des trophées de chasse. Nous avons Timon, Simba, Zazu, Mufasa, le Simba. Scar, Simba, Nala, et Rafiki. Voilà. Ouais, bah ouais. Bah ça fait Jumanji en fait. Ouais, voilà. Avec Van Pelt. C'est triste, mais c'est vrai que c'est... J'y ai pensé. Ouais. C'est vrai, mais voilà, c'est la triste réalité de la chasse. Ouais, on est pour, on est contre. Alors, les pesticides, c'est mauvais. Oh, mais j'adore le style. Ah, c'est bien, hein. Donc là, on a Blanche-Neige qui dit non à une pomme. Qui dit non à la méchante sorcière, la méchante reine. Ouais. Qui lui donne une pomme, en fait, bah, un fruit avec plein de produits. Plein de pesticides, voilà. C'est vrai, on a dû manger des fruits et des légumes, mais maintenant, les fruits et légumes, ils sont tous avec des engrais spéciaux, avec des pesticides, avec des... Bah, des pleins de produits dégueulasses, quoi. Voilà. C'est rigolo. Mm. Oh ah. Non, ça fait comme les otaries, les phoques et les... Avec les fameux les trucs... Les tortues qui... Bah avec tout le plastique qu'il y a dans les océans, et bah en gros, Ariel, elle s'est retrouvée étranglée avec un... Je crois pas en avoir déjà vraiment vu en France des trucs comme ça, des anneaux pour les bières. C'est... Oui. Je crois pas qu'on en ait chez nous. Hein. Très peu, alors peut-être un moment j'en ai pas vu, mais... Moi, je crois que j'en ai pratiquement jamais vu, hein. Mais c'est vrai qu'on les voit souvent et j'avais même vu dans des astuces de bah, pour pas polluer, pour pas embêter la planète, que quand on avait des trucs comme ça, qu'il fallait les découper avant de les jeter. Pour être sûr que personne se coince dedans. Ah ouais? Parce que c'est très souvent dans ce genre de choses que les animaux se coincent. Bah oui, c'est ça, ou que les tortues elles avalent des sacs plastiques. Ah, les sacs plastiques. Ouais. Ou que t'as justement des poissons qui grandissent avec un truc autour, tu sais. Ouais. Ils rentrent leur cou dans un anneau comme ça, ouais. Et ça grandit avec eux. Au bout d'un moment, bah, ils se retrouvent étranglés. Bah ouais, c'est horrible. Ah, le corail qui meurt. Ouais. Sous les yeux de Nemo. En plus, magnifique, parce que c'est dans ces films-là où on voit la beauté, les couleurs. Les coraux. Et c'est vrai que les coraux, quand ils meurent, ils deviennent comme ça. Ouais. Donc, tout blanc, ouais. C'est une vidéo trop triste en fait. Mais ouais, c'est clair.
Tu veux qu'on se suicide? Non, mais Oh non! En fait, il n'y aurait pas eu Mowgli devant, tu vois. Mais là, ça montre qu'ils ont été empaillés. Bah, c'est ça, ils sont empaillés dans un musée. En plus, ils ont les retours. Mais oui. C'est horrible. Ils étaient en train de chanter la chanson du roi Louis. Ouais. Je suis le roi de la... Ouais. Merde. Et ils se retrouvent empaillés dans un musée et Mowgli vient les voir. Mon dieu. Excellent. Non, mais je rigole, mais c'est pas drôle. Oui. Parce que ça peut arriver... en gros, il y a tellement d'usines, tellement de pollution que Mary Poppins, elle a un... Elle peut pas descendre. Vous avez Mary Poppins 3 bientôt. Elle a un masque à gaz et... Non, c'est rigolo. C'est bien. Non, mais c'est très bien pensé, hein, tout ce qu'il fait, là. Ouais, c'est très intelligent d'avoir... Moi, c'est vrai, on me dit, fais un truc entre Mary Poppins et... pas la pollution, ça aurait été facile, mais... Fais un truc entre Mary Poppins, c'est dénoncer un truc horrible. Ouais. Bah, tu vois, j'aurais pas pensé à ça. Pas du tout. Ah, ouais. Ouais, tout de suite. Tout le plastique dans les océans, toujours. Ouais. Avec Lilo et Stitch. Mais ça reste beau. C'est très beau ce qu'il fait. Ah, les pins de Madagascar. Donc pareil que le... Comme le Père Noël. Le ah, c'est ceux-là qui n'ont pas été mobilisés. Ah, ouais, voilà. Bah, Tarzan en rapport avec l'huile de palme. Ouais, la forêt qui brûle, quoi. Ouais. Là. Désolé, oui, mais soit il avait et pas. Et il y a un singe mort, je pense, non? Ouais, c'est ça, c'est en gros un orang-outan ou peut-être un gorille, mais je pense que c'est en rapport avec les trucs d'huile de palme, ouais. Je pense. À Batman et Robin. Ah non! Par rapport à la pollution. Bah, les trucs radioactifs, en gros, Robin, il est. Mais il était déformé. Il est un peu. Ouais. Ah bah! Bah voilà, bah, il est avec Hey, avec un gobelet sur la tête. Ouais. Non mais c'est triste, mais c'est des choses vraies. En bah c'est vrai. L'horizon ou la pollution. Ouais, non. Oh, chewing-gum. Quoi? C'est un chewing-gum? C'est pour représenter un chewing-gum? Pas pour que ce soit sur un arbre. Non. Un chewing-gum. Ouais, peut-être que c'est pour dénoncer le fait qu'on balance des chewing-gums. Bah, je pense, mais ouais. À moins que... Dites-nous si vous comprenez. Peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec les arbres. Parce que sinon, ça aurait pu être de la sève. Mais bon, si l'oiseau est mort, il n'y a pas de... C'est naturel, en fait. Non, mais... je pense que c'est juste un chewing-gum qui a été collé là et... Ouais, peut-être. Et l'oiseau, c'est tout empêtré dedans. Ah, un Dumbo. Bah, un Dumbo épuisé. Enfin, en gros, les animaux épuisés parce qu'il y a beaucoup d'endroits... Même si vous trouvez ça trop mignon, mais il y a beaucoup d'endroits où les animaux sont à la disposition des enfants. Mmh. Après, quand c'est des biquettes, tout ça, tant que voilà. Oui, quand c'est des formes pédagogiques, des choses comme ça, vous savez. Mais c'est vrai que moi j'ai déjà été dans un aquarium, un truc du style, ouais. Où il y avait genre les raies, où tu pouvais les caresser et tout ça, et je sais pas. Et... Je suis pas expert en poissons, en raies, en requins, tout ce que vous voulez, mais je sais pas si c'est bien qu'elle se fasse tripoter toute la journée par des gosses qui sont pas à laver les mains, qui dans de l'eau, je sais pas. C'est sûrement pour ça. Oh non! Le gavage des canards, en rapport avec le gavage des oies, des foie gras. Mon dieu. Criri, Fifi et Loulou, des nouvelles aventures de Bucktails d'ailleurs. Duck Tales. Oncle Buck me perd. Oh, oh non. Winnie l'ourson. Eh ben tout oui, maigre. Avec plus d'abeilles, donc okay, plus de miel. La disparition des abeilles. Ouais. C'est oh, triste. En plus, tu vois les abeilles mortes. Mais oui. Oh, mais Winnie l'ourson tout maigre. L'horreur. Ah, Green Lantern, tiens. Ah oui. Avec la pollution des satellites, ouais, autour satellites de la planète. Ouais. J'ai pas vu le film, moi, Green Lantern. J'ai commencé à le regarder, mais je l'ai pas fini. Je crois que je me suis endormi, pas parce que, juste parce que j'étais fatigué. Oui, moi ça m'arrive beaucoup. C'est Mérida. C'est Mérida avec. Avec des. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle Zach et Krista. Ouais. J'en étais sûre. On est liés, vous avez vu. Zach et Krista, on en avait parlé dans. Oui, dans un vidéo de. De film, des dessin films oubliés. Oublié, ouais. Zach et Krista, magnifique film avec un méchant emblématique. Ouais. Enfin, on avait vu le 2, il était nul. mais vraiment, bah voilà quoi, la disparition des forêts. Bah, c'est ça. Alors, donc c'est avec le réchauffement climatique, Olaf qui font. Et Elsa et qui essaye. De la neige. Qui essaye de le sauver, on dirait. Mais ça, on a l'impression que ça part en fumée, je sais pas. Bah, je pense qu'en gros, il a la pollution au-dessus de la tête. Enfin, réchauffement climatique, il y a trop de soleil et elle arrive pas à faire tenir un nuage. De glace. De glace au-dessus de lui. Mm. C'est triste aussi, ça. Ouais. Ah!
les gars. Ah, trop bien. Alors attends, je comprends pas là. Bah si, bah par rapport aux objets connectés, les robots, les droïdes, tout ça. Tous les... Ouais, toute soit. La technologie en fait ouais. actuelle, je pense. Ouais. Tu sais, bah tous les objets connectés. Voilà. Ou peut-être bah, qu'on les utilise, qu'on les jette, qu'on les utilise, qu'on les bah, jette, voilà, tout ça en fait. La c'est intéressant d'avoir mis les IA du coup. Ouais. Ah, le Père Noël. Père Noël. Ah, qui arrive pas à aller en ville parce que les lumières des villes sont trop puissantes et du coup ses rennes se sont écrasées. Tu vois, on reconnaît bien ouais, la ville possible, ouais. Et il ouais, y a une ouais, lumière forte. Il y a le faisceau, forte. Ouais. Ah, mais c'est triste. Ouais. Oh, je ne connais ah, bah, pas. Alors là, c'est les koalas, c'est Sydney. Ça, c'est un rapport avec un film, quelque chose? Non, non, alors on voit un koala... Non, bah c'est parce que... Tu sais, en Australie, le koala, il a beaucoup... Bah, de moins en moins de ressources à manger. Mmh. Parce qu'il mange les eucalyptus, je ouais. pense que c'est cet arbre-là. Et que du coup, bah avec la... Peut-être l'activité humaine, il y a de moins en moins d'eucalyptus, ou je sais pas. Ah ouais, en gros, il y a pas, des artifices, on fait la fête. Et... Voilà, c'est ça, on fait ouais, la fête peut-être. Et finalement, il y a des koalas qui meurent. Il n'y a pas le truc qui est en train de couler ou c'est normal qu'il ait cette forme en... il a pas... Non, non, il n'est pas en train de tomber. Non, j'ai l'impression qu'il est un peu tordu. Peut-être moi. Je me trompe. Ou alors il est malade, je sais pas. Les aristochats dans une ville avec des détritus. Bah ouais, voilà. Paris, hein. Paris, voilà. Tout simplement. Ouais. Ah, la tête de Marie. Ouais. Mm. Et encore le sac plastique. Mm. Oh, oh non, mais non. Bambi dans voilà, la déforestation. Au moins, il sait faire des choses qui nous parlent parce qu'on connaît les personnages et qui nous choquent parce que c'est la vérité. C'est ouais. ça qu'il faut mais bien ouais, se dire. C'est ça, c'est ça. C'est des choses qui sont vraies donc. On avait tellement pas prévu. Ah bah. Oh là là, l'usine. Putain, bah ouais, c'est sûr. Je vais me la faire. La solmenie. Ouais, là, et en plus, il a bien mis l'accent sur le fait qu'il a bien mis du vert pour qu'on comprenne bien que c'est pollué. Meiko. Il a un petit un sachet avec mort. Quoi dedans ouais. Je crois que c'est un poisson mort. Ah non, mort. C'est un poisson mort, j'ai cru que ouais. c'était un sachet plus. Avec trois yeux d'ailleurs, ouais, en ouais. rapport avec ouais. les Simpsons. Ouais. Aquaman avec ah un. Bah, un naufrage d'un. Un pétrolier. D'un pétrolier. C'est un truc qui me faisait peur quand j'étais petit à cause de Sauver Willy. Ouais, ouais. Pour moi, c'était comme une fin du monde quand je voyais ce film et quand je voyais le pétrolier énorme. Ouais. Ça doit être un des plus vieux films que j'ai jamais revu tellement j'ai eu peur avec ça fait un bail que je l'ai pas vu sauver Willy. Et ben voilà. Et alors je vais fini. Pas vous dire quel est mon préféré parce ben, que c'était très triste. Il peut pas y en avoir des préférés parce qu'ils sont tous. Bah, ils ont tous un truc vraiment poignant quoi donc. Et réel. Et réel. C'est concret, c'est basé sur l'actualité, c'est. C'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Ça peut, si ça peut impacter bravo, des Batman. Gens, ouais, ouais, franchement, bravo. On mettra, j'espère qu'il a un site quelque chose, ouais. Et puis peut-être plein d'autres choses. Peut-être que Chatty nous a sélectionné ce qui pouvait le plus se rapprocher de notre univers, et peut-être qu'il a fait plein d'autres trucs. Mm. Mais ouais, c'est très intéressant. Désolé si ça vous a déprimé. Mais c'est... Non, la vie continue, mais bon, voilà. Quand j'ai vu faire attention vie, je à des me suis dit et... autre chose. Ouais. Mais bon, moi non, aussi, je pensais à autre chose. Non, c'est important c'est de montrer la vérité. C'est important de montrer tout ça, ouais. Ouais. Et puis voilà, bah, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous proposer vos fanarts, en sachant qu'attention, proposez-les bien sur Facebook ou par mail. Et il nous faut absolument le nom des auteurs, sinon on ne les prend plus maintenant. À une époque, on le faisait. Quand... Ouais, mais bon, là, c'est pas. Ouais, ça se fait pas. C'est pas correct. Allez, merci à tous. Allez. Bisous.